Bonjour à tous, c'est le Blaireau Furtif. Donc voici la dernière vidéo de l'acte 3. On va maintenant entrer dans les entrailles du péché pour aller défoncer la gueule à Asmodan. C'est parti, on descend des escaliers. Tout à l'heure, on a tapé sa concubine et détruit le dernier cœur. Sa concubine qui a fondu sous un bain d'acide. Donc on va rencontrer quelques poches de résistance, mais rien de grave. J'aurais dû. Cool. J'ai une massue. Ouais, j'ai un bout de bois. Je vais tuer Asmodan avec un bout de bois. Un bout de bois. Non mais rien. Non mais sérieux. J'ai un vieux gourdin, je vais taper Asmodan avec. Oui, je vais taper Asmodan avec un gourdin. Oh, sérieux, j'espère que. Bon, c'est bon, on a récupéré une hache. Je suis une toupie. Donc c'est parti, on va se diriger vers Asmodan. Donc je vais faire un pont aussi sur ce boss là s'il y a un truc qui a changé avec. Si vous connaissez pas cette version là. Enfin si vous avez pas connu l'ancienne version plutôt. Bon allez pour le lol on va prendre le gourdin. Allez, on va le taper on va le taper avec un bâton. J'accepte ce challenge. Ah oui tu l'acceptes. Oui. Tu vois, il est poli. Donc voici Asmodan. Qui est plutôt grand. Bon, on va perdre cette scène de dialogue. C'est parti. Allez, avec un bâton. Ça, je vais éviter cette attaque-là si ça fait plus. Je vois si ça me tue. Non, ça va, c'est bon. Parce que suivant certaines classes, ça vous tue d'un coup, ça. Ah, mais j'arrive pas à le taper. C'est un boss que j'aime bien affronter à ce modem. Bien qu'il soit pas très compliqué. Bon, en Armageddon, c'est un peu plus chelou. Enfin, en tourment, c'est un peu plus chaud quand même. Ça dépend le niveau de difficulté et puis le stuff que vous avez. Mais c'est un boss, c'est un boss que j'aime bien. En gros, de tous les boss finales des actes, Asmodan, c'est mon préféré.
Ouais, continue à parler. Ah super, une épée, enfin une dague. Oh mais il était gentil. Oh sympa, merci. 3 légendaires, hein, pourquoi pas. Donc en fait sur ce boss là, dans l'ancienne version, il était... Bon, en fait, il était beaucoup plus chiant franchement, c'est pas des conneries. On va passer la scène vite fait, hop. Parce que si vous voulez en fait, la zone n'était pas limitée. Il n'y avait pas ces espèces de piliers qui mettaient des chaînes. On pouvait se balader tout partout. Et comment dire... Ben, les flaques qui étaient sur les côtés, là, que vous avez vu, elles apparaissaient tout partout. Ça apparaissait aléatoirement sur la map, et c'était plutôt chaud, et ça fait plutôt mal, cette attaque-là. Et c'était plutôt du challenge, c'était plutôt marrant. Mais c'est dommage qu'ils ont réduit ce boss à l'état... Enfin, affronter Asmodan dans une zone limitée. Parce qu'avant, c'était plutôt sympa. Cool, j'ai une dague. Cool, j'ai une massue. C'était plutôt sympa. Ben, en fait, c'est depuis qu'il y a eu la version console que ce... combat d'arène a commencé quoi. Enfin qu'on a eu ce combat d'arène avec les mises à jour. C'est plutôt dommage hein, parce que Asmodan est plutôt intéressant comme boss. Parce que l'ancien combat était plus chiant. Oh cool, une belle ceinture. Bon ben maintenant je vais me battre au couteau. Et je l'ai battu à coup de gourdin. Donc bah voilà, c'est la fin de cet acte... De cet acte 3. Bon, je vais voir quand même si je peux changer au lieu d'une dague. Je veux pas me battre avec un couteau. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Allez, je vais prendre ça. Bonjour, je me bats avec un couteau. Un couteau de cuisine. En même temps, je suis un barbare. Rien à foutre des couteaux de cuisine. Je voudrais quand même une grosse épée. On va passer la scène parce que c'est un gros spoil. Oh mais merde, j'ai oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié d'aller parler à quelqu'un. Donc voilà, c'est la fin de cet acte 3. A bientôt pour l'acte 4 qui sera limité qu'à 3 vidéos. Salut à tous et à la prochaine. Je m'en vais. Dis au revoir. À bientôt. C'est bien.